missing someone. Love is all you want. Missing someone. Salut à vous, bon samedi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est allé voir le Costco, là, je viens d'arriver, je l'ai même pas sorti encore, mais oui, il arrive dans comme 3 minutes, fait qu'il va m'aider à déloader et je vous montrerai dans le fond qu'est-ce qu'on a acheté, mais c'est ça. Parmi ces achats, je me promenais avec Clara dans les allées, puis j'ai atterri à l'allée où est-ce que comme, tu sais, des costumes d'Halloween qui commencent à sortir, et elle a vu une robe de Rapunzel, là, Tangle, le film. Et bon, obviously, elle la voulait, puis tout, là, elle veut absolument mettre sa robe. Je vais lui mettre, ça sera pas bien long, puis je vais aller sortir l'épicerie. C'est belle! Tourne! Wow! Bon, donc Clara a vu son père, puis elle était vraiment cute, tellement contente. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Banane. Ces crackers là au avocat, je trouve tellement qu'ils sont bons. Attends, il me semble que vous me voyez pas super bien, il faut que je me penche. Good, good. Ces morning rounds là, sur pomme cannelle, c'est les meilleurs. Et ça ici. On aime ça se faire des sandwichs dans comme un bagel, mais le bagel avec le trou, avec les œufs, je trouve tellement que ça tombe tout le temps, alors que ça, c'est vraiment mieux. Quelques fruits, comme ça ici, mais c'est plus pour les filles ou genre pour compléter nos smoothie bowls, mais j'aime mieux aller acheter, justement, comme là, vous allez voir, j'ai pas vraiment de légumes ou de fruits, parce que j'aime ça les acheter directement, genre au marché ou au IGA. C'est ça, beurre d'amande, parce que je suis clairement accro. Ça, je sais que Clara le voit pas, mais c'est parce que pour sa fête, je sais pas si je retourne au Costco, mais c'était pour sa fête, je vais en donner un à chaque enfant dans leur sac à surprise. Ça vaut même plus la peine en gros paquet. Ok, il y a ça, les fameux Go-Go Squeeze, comme ça. On peut parler, hein, là. Ça, c'est le yogourt à Will. Je dis à Will parce qu'il est nature, moi je prends celui à la vanille. Ça, Will aussi, il aime bien ça, des cannes de thon quand il a faim. C'est des bâtons préférés à Clara, aux filles, puis ça vaut tellement plus la peine en gros paquet. J'avais hâte d'aller au Costco que acheter genre les paquets au IGA, qu'il y en a juste 4 dedans. Des yogourts à boire. C'est aussi, genre l'affaire que les filles sont vraiment accro. Nous aussi, on aime ça. Le bœuf haché biologique en 3 paquets, c'est génial pour genre nos bols. Comme je disais, ça c'est mon yogourt. La salade de poulet. Le saumon. Moi, j'aime bien le saumon, justement, congelé, là, au Costco. Des petits cocombres. La dinde hachée de Déo à Will. Ça, ici, on aime ça mettre ça dans son omelette. Nos bacon. 2 paquets de salade paille déjà préparée. D'ailleurs, j'en mange ça pour dîner tantôt. Des amandes tamari. Oui, ils sentent genre comme le tailleux. Des amandes au chocolat. Où il va dire, t'es pas sérieuse. Parce que l'affaire, le problème, c'est qu'on le garde dans le garde-manger, puis là, genre, on digue notre main, genre, courant de la journée, dedans, tout le temps. Moi, j'ai tout le temps un goût sucré, fait que je prends ça. Ça, c'est les meilleurs granola keto. J'en ai acheté un autre IGA temporairement, puis ça bat pas celui-là. Un gros paquet d'avocats. Des œufs. On a aussi ces craquelins-là. J'avais ceux avocats, mais il y a ceux-là aussi qui sont bons. Peinane, la robe à Clara. J'ai acheté aussi un livre. J'ai acheté un paquet d'oreillers et j'ai ça aussi que j'ai trouvé. C'est Je suis prêt pour la prématernelle. Donc, c'est un grand livre d'activités à faire que je vais pouvoir faire avec Clara. Quoi? Non, mais tu veux faire de la pâte à modeler en attendant? Ça, je te l'ai dit, ça, c'est avec maman seulement qu'on le fait. Okay? C'est pas un livre, faut juste dessiner tout ça. Tu as faim? Tente. Tu veux les bartons? Ok, mais on en a dans le garde-manger. Ok, je vais donner ceux qu'on a déjà. Les bâtons. Celle-là? Ouais. C'est le bâton ou un pain, Sarah? Un pain. Ok. Ça, donc Will s'en va, il revient lui du gym avec Lily. C'était sa première expérience au gym avec son père. Et elle est brûlée. Elle adore déjà. Donc pour elle, c'est comme overwhelming. Là, il y a bien du monde, la musique, ça bouge tout. Mais je suis contente qu'elle ait fait l'expérience et que ça soit relativement bien passé. Tiens, maman. Puis c'est ça, là, il y a une visite, genre, dans 30 minutes. Fait qu'il va aller faire sa visite, qui est juste à côté. Des amis à nous qui vont dans leur maison. Et le reste de l'après-midi, là, tu sais, il va revenir, il va sûrement avoir faim. Je vais le préparer à dîner, puis on va prendre une longue marche. On va sûrement aller au parc,
Puis moi, dans le fond, c'est un reset, là. Je vais un peu faire du ménage, genre à manger, puis tout. Il n'y a rien de particulièrement spécial qui va se passer aujourd'hui. C'est juste que c'est ça, on part au chalet. Dans le fond, dimanche, ça va être demain. Où il travaille pas mal toute la journée. Moi, je vais préparer un peu pour le chalet. Puis on part lundi pour le chalet pour genre 3 jours, pas plus, parce qu'il faut revenir pour Will. Le travail, mais ça va être en masse là, genre c'est fou, juste 24 heures là-bas puis on, c'est comme si on avait passé une semaine de vacances avant qu'on décroche, en tout cas comme moi là, oui c'est différent, fait que c'est ça qui en est. Alors je vous parlerai un peu plus tard, je vais ranger tout ça, c'est ma partie la moins préférée de ranger mon Costco. Donc bon dimanche, finalement j'ai pas revlogué hier, mais il s'est mis à pleuvoir, puis on avait promis à Clara le parc avant qu'elle fasse sa sieste, puis finalement quand elle s'est réveillée, tu sais il pleuvait un peu, les figères, non. C'est pas une bonne idée ça, donne à maman. Un petit bracelet d'enfant, là? Non. Fait que c'est ça, mais finalement, on l'a amené quand même. On n'est pas resté longtemps, mais il pleuvait juste un petit peu. Puis ben c'est ça, ça a été un reste de journée vraiment comme slow. Pas grand chose de particulier qui s'est passé. J'ai fait plein de lavage puis tout parce qu'aujourd'hui, il annonçait plus beau. Fait que j'avais pas le goût de passer la journée en faire du lavage. Je vais rester comme une brassée de lavage en faire comme des petites valises pour partir. Mais là, c'est ça. J'ai acheté des billets ce matin pour B-Fly au Centropolis. Donc, c'est pas lui dans le 10-30. Il est plus petit au Centropolis, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Ça fait comme une couple de fois là, que je le vois passer sur les réseaux puis que je me dis, OK, tu sais, le Will, aujourd'hui, il y a des visites jusqu'à environ milieu après-midi. Puis après ça, c'est juste ce soir qu'il y a des visites. Fait que je voulais quand même sortir un petit peu les filles. Fait que je m'en vais là, en solo mom. Tu sais, généralement, ça se passe vraiment bien, là, quand je suis avec les filles. Si j'ai du sport, ben, comme, les filles sont fines, ça va. C'est juste que là, ce matin, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Mais, Ellie, genre, chaque affaire, l'insultait, elle se mettait à pleurer. Genre, quelque chose pognait, elle était fâchée. Elle tombait, elle était fâchée. Sa soeur passait trop proche d'elle, elle était fâchée. Puis Clara, elle nous a, genre, vraiment défiée, là. Juste l'habiller. Il a fallu toute notre petite patience du monde entier. J'ai dû lui dire au moins, genre, 14 fois qu'elle viendrait faire le papillon, là. Je sais que c'est vraiment pas dans le gentle parenting, mais genre, j'en pouvais juste plus. J'avais plus quoi dire. Bref, on a réussi. Tout le monde est en voiture. Et, c'est ça, on part. Là, il est 9h30. Fait que c'est ça, je vais vous montrer un petit peu là-bas. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense après de cette petite sortie-là si jamais vous avez envie de la faire aussi en famille. Fait que c'est ça. Hein, les filles, vous êtes prêtes? Oui. Numéro à Ellie qui est tout croche, mais bon, on va le faire même. William vient de péter puis ça m'insulte. À chaque fois qu'il pète dans un tour, ça m'insulte. Je suis genre. Surtout qu'on était dehors il y a littéralement 3 secondes, mais bon. C'est moi qui fais le montage. C'est moi qui fais le montage. C'est ça, donc là, on est à Saint-Joliette, on vient finir de déjeuner. Et là, on s'en va vers le chalet. Il fait super beau. Le fond de bain est quand même plus froid. Quoi, William? J'ai le coup d'écraser. Ça va donner un coup de caméra. Non. Non. Fait que c'est ça, mes beaux-parents, ils vont être là. On s'en va être super le fun. Clara est bien excitée de faire de la pêche avec son kit Frozen. Il est à nous genre ça. Et du bateau, naturellement. Alors, je vais essayer de vous faire quelques fois des petites mises à jour sur notre séjour, mais on dirait qu'à chaque fois, l'affaire c'est ça, à chaque fois qu'on est, je suis avec du monde ou on est avec du monde, je ne pense pas à sortir ma caméra, puis on est pas mal tout le temps avec du monde. Fait que quand je vlog, ben c'est quand c'est mes moments plus toute seule puis que genre, je travaille pas puis que j'ai le temps. Fait que voilà, voir quoi qu'on a comme... Hein? Non, mais c'est vrai, là. Ouais, ben la confiance... Oui, en effet. Ben non, mais quand je suis avec mes amis ou des amis, puis les enfants sont là, leurs enfants, whatever, tu sais, eux autres, ils ont pas demandé à être sur mes vidéos puis tout ça. Donc, à moins que ça leur dérange pas, je le montre ou comme ça donne que pour X raisons, mais sinon... Je n'amène jamais ma caméra, puis tu sais, même les stories, quand on est avec du monde, souvent je vais moins en faire. Fait que c'est ça. C'est comme difficile de bien balancer tout ça. Mais je respecte à 100% ceux qui veulent pas être sur mes réseaux. Là. C'est comprenable. Bref, ça pour dire que là, on y va. Je vais lâcher ma caméra et voilà.
Donc, bon mardi. J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon, vous auriez vu du reflet, là. Fait que c'est ça qui explique mes petits yeux. Mais c'est ça, dans le fond, ça fait comme longtemps que j'ai pris ma caméra, puis je prenais jamais le temps de le faire. Et je voulais vraiment vous sortir un vidéo prochainement. Et j'avais promis un genre de suivi sur mon sevrage d'allaitement avec Ellie. Il y a genre 3 semaines, je pense, que j'ai publié une story, puis je disais genre comme quoi j'essayais que Ellie s'endorme le soir sans boire au sein avant. Et essayer de la sevrer du moins la nuit, parce qu'elle boit encore des fois la nuit. Puis c'est ça, ça a vraiment été genre un 48 heures, 2 nuits d'enfer. Elle a hurlé, pleuré. Genre les 2 jours qui ont suivi, comme elle avait plus de voix tellement qu'elle pleurait la nuit, puis tout ça. Puis j'étais comme... Moi puis Will, honnêtement, on a beaucoup de difficultés avec ça. Comme nous, nos filles, comme ils s'endorment avec nous. Et on est bien avec ça. Puis après ça, tu sais, j'avais vraiment le cœur gros quand on pleurait. Puis j'étais juste comme, oui, je sais même pas les raisons pour lesquelles, genre, je fais ça. Puis il était comme, tu sais, Sarah, si tu ressens pas le besoin de la sevrer parce que t'es bien avec ça pour le moment, puis la nuit, que ça te dérange pas, genre, de te lever pour l'allaiter ou, tu sais, souvent on la ramène avec nous dans le lit, genre, vers comme 2-3 heures du matin. Même des fois plus ou des fois moins, ça dépend toujours. Il était comme, tu sais, on est bien avec ça les deux, fait que pourquoi est-ce que tu te mettrais à l'envers, tu sais? Puis honnêtement, comme, je trouve qu'il avait entièrement raison, puis j'ai vu, il y avait plein de mamans qui m'avaient donné des témoignages par rapport à eux autres, le sevrage, qu'ils étaient un peu comme dans le même bateau, puis il y en a qui ont dit que finalement ils ont réessayé des mois plus tard, puis tout. Et tu sais, Ellie apprend super bien, genre, l'élevage, puis. Mettons comme, je peux m'en aller, puis je sais que ça va être correct, là. Tu sais, je peux partir pendant genre 12 heures, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça. J'étais comme un petit peu à l'envers, puis après ça, je me suis dit, tu sais, contrairement à Clara, que ça s'est super bien sevrée seule, j'étais comme encore enceinte. On dirait que j'avais besoin d'une pause avant de comme donner naissance, puis de réallaiter. Mais là, genre, comme présentement, c'est mon dernier bébé, on dirait que je me sens pas comme... sur un rush de « Oh my God, faut que je la sauve », puis tout ça. J'essaie d'en profiter comme au maximum, ça va bien, puis tout ça, puis ça me dérange pas, fait que ça. Alors, c'est le petit update sur... là, je remets mes lunettes, là, parce que là, vous allez me voir les yeux, je pense, mais c'était mon petit update sur ce moment-là. J'ai choisi ma journée pour vous parler, là, mes cheveux sont dégueulasses, là. Puis je suis pas maquillée rien, là, mais bon, c'est pas bien grave, là. Clara fait dodo. J'ai décidé de la garder avec moi ce matin, hier, à la garderie, comme elle a fait un petit peu de fièvre, puis hier soir aussi en se couchant. Puis ce matin, elle a dit qu'elle était vraiment fatiguée. Honnêtement, comme on est allé faire plein de commissions, puis comme elle va super bien, mais je sens qu'elle est peut-être plus fatiguée, tu sais, c'est ça. Fait que, ce week-end, on est allé à la première médiatique de Toupie et Binou. Le film va sortir ce vendredi, le 11 août, et c'était super le fun. C'est la première expérience cinéma avec les filles. On n'a pas été capable de terminer le film parce que, bon, leur attention, c'était plutôt difficile, puis j'ai pas dérangé comme tout le monde dans la salle. Ça aurait peut-être été moins pire juste Clara. Ellie, tu sais, c'est quand même plus difficile, quand même très jeune, mais pour le temps que leur attention a duré, c'est drôle. Là, Clara, genre, elle riait des petites blagues, puis tout ça. Fait que c'était bien le fun. On est allé manger après ça avec des amis. Oui, le travailler après ça. Sinon, quoi de neuf? Tu sais, dans le fond, on s'est parlé. Dans le fond, comme on est allé au chalet, il a pas fait super chaud. Finalement, j'ai pas de temps à filmer. Là. Je vous ai juste montré des petites vidéos là, de comme que j'ai filmé avec mon téléphone. J'ai pas vraiment filmé parce qu'à chaque fois qu'on est au chalet, tu sais, si on était juste la petite famille tout seul, je prendrais le temps de filmer. Mais là, sinon, le reste du temps, tu sais, comme tout le monde est là, fait qu'on dirait que genre, tu sais, je l'ai déjà mentionné, mais je suis moins portée à filmer quand on est avec notre monde. On profite vraiment comme du moment. Et sinon, je sais comme pas quoi d'autre, là. Qu'est-ce que vraiment, genre, qu'est-ce qu'on a eu? Ben oui, c'est pas vrai, on a eu un tournoi de golf, moi puis Will, samedi. On a joué le foursome avec ses parents. Puis moi, c'était la première fois que je rejouais depuis, je crois, 2018 ou 2019.
bottom line, j'ai quand même fait des beaux coups, là. C'est sûr qu'il faut que je me remette vraiment, vraiment dedans. Mais ça m'a redonné quand même la piqûre, là, comme quoi j'ai vraiment toujours aimé ça, là, jouer au golf. Fait que c'est ça. Nous, on aimerait bien ça, là, moi puis Will, que nos filles, un jour, ils jouent avec nous au golf, puis comme qu'on joue des foursomes ensemble, puis tout ça. Comme, moi, ça serait genre mon rêve, là. Tu sais, je trouve tellement que c'est un beau sport. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr, ça va être de me remettre dedans, là. Puis je m'étais dit, c'était pas cette année, mais l'année prochaine, là. Tu sais, là, cette année, les filles étaient comme encore jeunes. J'étais comme pas dans le mood tout de suite, là. Tu sais, je sais que, tu sais, on peut toujours trouver des raisons à tout, là. Mais c'est ça. Alors, c'est ce qu'il y en a. Fait que moi, je crois que je vais terminer le vlog de cette façon-là. Et c'est ça. Dans le fond, je vais filmer pour une prochaine vidéo. J'ai. Non, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Alors, c'est ça. Donc, bonne semaine à vous et on se revoit à une prochaine vidéo. Bye bye!